Salut YouTube, bienvenue pour ce nouvel épisode, on enchaîne avec notre visite au village d'Okari. Donc l'objectif c'est d'acquérir le pouvoir qui nous permettra de respirer sous les eaux. Moi j'étais pas sûr mais c'est bien Léon ça. Alors en fait, il y a tout intérêt à changer. Oh, j'ai pas eu le PV. En fait, même si j'aime bien une compo ou une autre, faut que je prenne le réflexe de changer pour les biens, parce qu'en fait, pour les faiblesses, quoi. Oh, y a un truc là, non? Évidemment! Gna, il a appelé son papa. T'inquiète, je suis sur le coup. Genre là, j'attaque, je le tue pas. Comme ça, je récupère l'or pour récupérer plus de PV. Ouais, on se peut récupérer avec l'auto-attaque, c'est pas mal. Qu'est-ce qu'on en pense? Que les piafs. Oh, j'aime pas trop. Faire ce qu'on peut, hein. Six, sept, neuf, dix.
C'est mieux que rien. Pouac! Je t'ai tout paré, mon gars! Il a fallu qu'il attaque Valère. Pardon, mais il y a forcément un moyen. Simplement. Dommage. Ta ta ta. Doum. En puissance, on est pas mal. En attaque magique, on n'est pas si ouf. En vrai, c'est attaque magique qu'il me faut là, pour elle. Avec ses boomerangs. J'en ai pas trop l'usage, mais... Pas mal. Combo. Je place mon coquillage magique. Sans parler Tobéan. J'ai plus de grappin, ce qui a du sens.
Où suis-je? Ah mais oui, c'est là où j'étais au début. Et donc maintenant, quand je vais revenir dans le lac principal, il y aura tout simplement des... un, voire plusieurs tourbillons qui me permettront d'accéder à plusieurs zones différentes. Le lac d'Okarea. Évidemment. Descend vers les profondes. Bienvenue au village de Dokaria. On se fait si longtemps que nous n'avons pas de visiteurs. Temple est juste au nord d'ici, c'est la crédible orale. Si c'est au nord, ça veut dire que je vais regarder partout sauf au nord. Et comment qu'il existe? Encore une conquête en ciel. Oh, stop dans les... Un marchand. Quoi? Ok, bah j'ai fait déménager des gens comme ça. Comme quoi, ça vaut le coup d'explorer cette ville. Ah oui, pas, ok. La taverne! Non, ça va. Quoique. Est-ce qu'il y aura Patix qui sera là? Eh oui! Je suis balai. La rose vampire. C'est parti. Il était une fois une botaniste qui tenta de tromper la mort en faisant pousser une rose si belle qu'elle ne supporterait pas de la faucher. Sous le charme, la mort se retrouva bien confuse alors qu'elle appréciait la beauté de la vie pour la toute première fois. Que son acte fut motivé par une rage jalouse ou une ruse opportuniste, personne ne le sait vraiment. Usant d'une magie maléfique, elle transforma la fleur en quelque chose d'encore plus beau, mais de très maudit aussi. La rose vampire. Une chose d'une beauté envoûtante, obligeant tous ceux qui posaient leur regard sur elle à prendre part de leur plein gré à leur propre corruption. D'après les rumeurs, la rose magique aurait atteint les quatre coins du monde avec une promesse simple, une promesse à laquelle peu pouvaient résister, la vie éternelle à condition de pouvoir la prendre. Malgré l'euphorie provoquée dès le premier contact, le prix devenait évident beaucoup trop vite. Pour chaque seconde avec la rose vampire en main, une année était ajoutée à votre espérance de vie. Et pour chaque année ainsi empruntée, une épine poussait sur un de vos os. L'histoire raconte que parmi tous ceux qui touchèrent la rose vampire, la plupart réalisèrent leur erreur instantanément. Après avoir allongé leur vie d'une seule année, ils la lâchèrent et vécurent avec un souvenir très douloureux, se manifestant à chacun de leurs mouvements. D'autres en revanche furent capables de s'arrêter et finirent par ne plus ressembler vraiment à des humains, ni même des êtres vivants. Si on ne sait pas avec certitude que la rose vampire existe toujours, tout le monde s'accorde sur une chose, au final, la mort aura toujours le dernier mot face à ceux suffisamment stupides pour essayer de la tromper. C'est beau. Bah parle-moi, c'est vrai. Alors... La roulette! C'est un bail! Mais vous, vous êtes trop fort en fait. Et
Évidemment qu'on va jouer à la roulette. T'en es venu pour ça, les petits potes. J'ai oublié qu'on joue. C'est pas vrai, c'est je me rappelle. J'ai bien le guerrier. Putain, je pensais avoir débloqué le voleur. Oh les go hein. Voilà, on n'est pas là pour rigoler. Dommage. Ouf. Non, je voulais lock. Le mec fait un gros mur quand même hein. Je crois que j'ai un peu merdé dans ma stratégie. Attendez, mais on joue pas au même jeu là! C'est nul ce que je fais. C'est mon build qui est nul ou comment on s'organise là en fait? Y'a rien qui va. C'est nul. C'est quoi ça? Ça c'est la partie facile hein. Ok, on va tuer ce magicien du coup, c'est ça le plan là? C'est nul. C'est pas mal. J'allais dire, il manque une bombe là. Du coup lui level up et maintenant dès qu'il va attaquer, bombe aussi. Les deux m'envoient des énormes bombes dans la gueule. C'est perdu. Donc dans tous les cas il y a une bombe. Ouais, j'ai pas de bombe. Est-ce que je viens de level up?
Vas-y, j'ai perdu de façon, non? Pas si sûr. Ah, il tape tellement le... Oh là là! Ah, c'est quand il est au max que ça fait une bombe. J'ai l'impression que j'ai pris tellement de bombes. C'était la partie facile, hein. Mon mage était pas si mal, mais je pense que j'aurais dû focus le mage. On va essayer comme ça. Pas mal du tout. Hein. Donc ça va baisser de 2. Pardon. C'est dégueulasse ce qu'on me propose. C'est pas ouf, mais c'est mieux que rien. Et il a changé le gars en face. J'avais juste besoin d'un jaune. Allez, oui! C'est ok, so far. Vas-y. Il m'en met deux. En fait, le problème, c'est que maintenant... Ça change rien ça. En fait, je prends une boule de feu, j'ai l'air con. Putain, il va sur les boules de feu. Là, il me faut un deux jaunes là. C'est pas mal, mais c'est pas ça que je voulais. J'ai perdu.
L'archer est nul. En fait, il a des 3 et des 2 en masse en haut, c'est trop dur, hein. Mais je croyais que j'avais un nouveau, une nouvelle roulette. Moi, je vous le dis, je vais la gagner, cette partie facile. J'aime pas du tout l'archer. En plus, il tarde plus haut. C'est une 11. Obligé, obligé, obligé. Obligé. C'est banger. Obligé, obligé. Non. C'est tout à fait ok. C'est bien, c'est très bien, c'est très beau. Oh lui, il level up là-haut déjà, oh. On va focus le orange. Oh waouh. Très joli coup. J'y croyais pas trop. Tant pis, ça fait un mur, c'est pas très grave. En vrai, il a pas le moyen de se heal tant que je déconne pas et que je fais ça. Voilà, je pense que c'est win. Pas grave. Là, je vais descendre de 2. Que 2, hein. Allez, encore un. Encore un. Ding. Ok, le match, c'est banger. Je vais pas faire ça. Non, c'était... Très bien. Lui va m'énerver là-haut. Du coup, j'anticipe le fait qu'il va m'énerver. Joli. Ok, le coup d'épée pas prévu. Et là, il va me retarder, non? Ouais, mais c'est pas si grave.
Je conçois que ça fait un peu chier. Oh waouh, ça sert à rien. C'est dommage. Je vais voir si ça sert à rien. Très bien, je suis très content. J'ai gagné, non? J'ai gagné le mode expert! Oui, du premier coup, alors que j'ai gagné le mode facile pendant 2 heures! Putain! Pfff. Mais, oui, alors en fait, c'est ça que j'avais gagné la dernière fois. J'avais pas gagné une pièce, j'avais gagné une roulette. Mais du coup, ça me donne accès à quoi concrètement la roulette en argent? D'accord, donc ça sert à rien en fait. C'est juste un titre. Oh, tu me parles pas comme ça. On va pouvoir aller le voir cet oracle. Bon en fait, hein. Ah, je suis pas timide, t'inquiète. Du grand bleu. Ça va, un coffre? Quelle surprise! Maintenant j'ai peur. Ok, donc le pic du tourment ça va être quelque chose quand même. On va se battre contre le mal là-haut. Alors messieurs, dames les marchands. Merci pour ça.
fout un pape de guerre. Je refuse d'entrer. J'ai des priorités. Bien sûr. Putain, je dois refaire le tour de toutes les chambres inférieures. Oh waouh! Et comment que j'en ai? Tellement. Plein d'auberges. Ok, alors attends. Pingur. Bah non, mais... Ah, faut que je trouve les 10 ans, pas un... Ils sont cachés, cachés. Oh chiant! Donc j'ai eu des plans pour ma ville. Par contre, chez les gens, c'est chelou parce qu'il n'y a quand même pas 20 000 des maisons, hein. On est reparti. Il y en avait 3. Là. Peut aller voir là où symboliquement. Là. Ce qui nous en fait 2. Ça, c'est la lutte du grand ancien, hein. Je me veux, lui. Il est fou, là. Et là, ici, je suis jamais rentré. Mais ça va forcément être par là. Ok. Là.
Eh ben, on a trouvé tous les enfants, et du coup, on peut se rendre. On peut retourner voir le grand-père, hein. Bien. Nous sommes venus ici au péril de notre vie, grand ancien. Oh, ils nous sont là depuis des siècles. Désolé pour ma caméra qui bloque un peu. Survivre ces épreuves et découvrir ce qui vous a depuis si longtemps. Ok, bon courage, hein. Merci, papy. J'ai peur. J'ai peur. La tour fermée depuis des temps immémoriaux. Ok. Ok. Alors.
Là, il y a une marque de coquillage. Ça doit être pour le poser là, j'imagine. Ouais, il me semblait bien que c'est une porte d'étoile ce truc. Oh, je suis pas soigné. Oh, ok, c'est une protection, ça, bon à savoir quand même. Aïe. J'ai raté ma parade. Pas sérieux, s'il te plaît. Aïe, la protection. Mais non, mais c'est un délire. Je vais tester ça en me disant peut-être que ça fait éclater la protection sur le premier hit. Et non. Ok, il crée de la magie quand même. Raté. Et merde. Aïe, pas agréable, hein. Le problème de ce genre d'endroit, c'est que comment est-ce que tu fais un feu de camp? Comment est-ce que tu récupères de la vie? J'ai pas fini. What?
Pas tout donner, hein. Je suis en premier. La distance est bonne. Je me disais que le clone disparaîtrait à la mort de l'instigateur du merdier. Ok, il manque une clé. Il faut taper l'autre symbole qui va être là-bas, assurément. Ok, let's go. C'est ça que je voulais, c'est quoi ça? Bon, bah très bien. Eh ben, c'est YouTube, avant que notre destin nous soit révélé dans la tour... pas ouverte depuis les temps immémoriaux, que notre épisode va s'arrêter. On se fait des bisous YouTube, et puis on se dit à la prochaine pour de nouvelles aventures. Bisous, ciao.